Hello, hello, bonjour la famille. Welcome back to my channel, Miaouezolo. La recette du jour, salade à la togolaise. Une salade de spaghetti, de betterave, d'œufs, de laitue. En tout cas, tout y est, vous n'allez pas regretter. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de déposer vos bagages. Abonnez-vous. Let's get started. Vous aurez besoin de vos laitues, des carottes, des pommes de terre, tomates, oignons, betteraves, des œufs, des spaghettis découpés en trois, de la viande pré-cuite. Donc, on va commencer tout simplement par découper tous nos ingrédients. Et je précise que pour ce qui est des légumes, allez comme vous voulez, vous pouvez ajouter et du concombre, des poivrons, tout ce que vous aimez comme légumes, même les haricots verts, tout ce que vous aimez comme légumes. L'essentiel, c'est que nous, on ait nos betteraves. Ça, c'est très important parce que c'est ça qui donne cette couleur, c'est ça qui distingue la salade togolaise. Et puis, les spaghettis, c'est très important. Petite causerie, mes amours. Je dis la vie chère, là. Comment vous ressentez ça à votre niveau? C'est comment chez vous, dans la ville où vous êtes? Vraiment, ça devient quelque chose. Hein. Vraiment, ça devient quelque chose. Les prix ont augmenté partout. Partout chez moi, dans mon état, il y a vraiment, dans la ville où je suis, il y a vraiment des denrées qui se font un peu rares, surtout ce qu'on apporte, on exporte. Vraiment, c'est difficile de trouver le riz qu'on mange d'habitude. Jasmine, on utilise souvent le sac jaune de jasmine, c'est difficile d'en trouver maintenant. Même l'huile, quantité limitée, vous pouvez pas vraiment acheter tout ce que vous voulez. J'espère qu'on va s'en sortir. Alors, on continue notre préparation. Donc, tout est découpé. Ce qu'on va faire maintenant, on va venir saler un peu notre eau et commencer par préparer nos pommes de terre. Les pommes de terre, comme je dis toujours, j'aime bien découper avant de bouillir. Mais vous pouvez bouillir également avant de découper. Donc, on laisse bouillir tout au plus 10 minutes et ce sera prêt. Voilà. Faut pas trop laisser traîner sur le feu, ça risque de devenir des pâtes. Donc, dans la même eau, je vais revenir mes carottes. Je les ai bien lavées, bien sûr. L'eau bien salée. Récupère et prenez surtout soin de couper la cuisson avec de l'eau froide. Donc mes œufs et mes spaghettis. Pour la petite astuce, vous n'avez pas besoin d'ajouter de l'huile pour préparer vos spaghettis. Vous avez juste besoin de beaucoup d'eau, comme ça ils vont pas coller. Donc mes betteraves aussi de côté. Voilà. Spaghetti œuf prêt. J'ai pas mis de l'huile dans l'eau et vraiment c'est nickel. Tous nos légumes sont prêts, donc on va préparer notre vinaigrette. J'ai déjà de l'ail haché ici. La vinaigrette, elle sera toute simple. À mon ail haché, j'ajoute de la mayonnaise, en plus de la moutarde. De l'huile d'olive, j'en ai ajouté 2 cuillerées. N'oubliez pas, j'ai plein de vidéos de vinaigrette sur ma chaîne. Vous pouvez regarder l'une d'entre elles. J'ajoute un peu de vinaigre blanc. Je remue tout. J'ajoute un peu de sel et voilà. Notre vinaigrette, elle est prête. Voilà comment nos mamans nous avaient appris quand vous lavez votre salade, quand vous nettoyez bien votre salade pour faire sécher l'eau. Donc, on met dans un torchon bien propre, on secoue bien et vraiment l'eau part. Les vieilles astuces. D'accord, maintenant tout est prêt.
On va juste passer au mélange. Je vais ajouter un peu de mayonnaise d'abord avant d'ajouter ma vinaigrette. C'est optionnel. Et je veux bien mélanger tous les légumes et les spaghettis d'abord avant d'incorporer bien sûr les laitues. Vous pouvez également incorporer de la sardine, oui. Ajouter de la sardine, ça passe super très bon également. Et puis avoir un bon pain, une bonne baguette juste à côté, bien réchauffée. Ou alors du pain sucré, ça passe. Ouais. Cette salade, je sais pas, c'est une salade bien composée, super bonne. Délicieux, je vous assure que vous mangez. Hey, vous allez seulement boire de l'eau, boire de l'eau, boire de l'eau, ça passe. à vous la vue, à moi le goût. Allez-y, essayez, vous n'allez pas regretter, c'est super bon. Alors mes amours, merci d'avoir suivi encore ce nouveau numéro. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous allez essayer. Merci de soutenir votre sœur à travers vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci infiniment. Prenez soin de vous. Je vous claque de gros bisous. À la prochaine et que Dieu veille sur vous. Bisous. Bye bye.